Thierry Frogé, bonjour. Bonjour. Créteil va vivre sa première saison dans l'élite. Jamais le club n'avait évolué en première division. La dernière époque, ça va être une toute nouvelle histoire. Un derby, par exemple, ça aurait été Paris FC PSG. Mais c'est des derbies, aller au Parc des Princes, ça fait quand même rêver. Oui, pour tout club comme nous, voilà, on les affronte la 15e journée. Voilà, au mois de novembre. On va chez eux à 34e journée, mois de mars. Donc, on essaiera de faire mieux. Simplement que comparé à la saison dernière. Ok, enfin. Peut-être que. On essaiera de faire mieux. Donc, je le répète, enfin, j'ai pas trop les mots. Thierry Frogé, c'est vrai que votre montée la saison dernière a été acquise pas trop tôt non plus. De dire au bon moment, c'est vrai que vous avez terminé avec un peu d'avance sur le SA. Ouais, l'avance, ouais, c'est ce qu'il fallait pour être pour terminer deuxième, simplement. On avait assez de points d'avance, donc Thierry, c'est vrai que vous allez recruter de nouveaux joueurs, comme Pugrenier, qui va venir renforcer la défense. Est-ce que vous êtes content de son arrivée? Bien sûr, je suis content. Ouais, il va nous apporter en plus. C'est vrai qu'il a déjà joué en Ligue 1 avec Nancy. Il s'est un peu. Ouais, quand il a quitté la France, c'est vrai que le club de Nancy n'y arrive plus trop. C'est vrai qu'ils ont un peu végété pendant. Ouais, ils ont fait 2 ans, là ils sont redescendus puis ils sont remontés. C'est vrai que si Nancy remonte, lui seul, bien sûr, ça va lui faire plaisir vu qu'il est passé par là. Et enfin, une dernière question. Tout simplement, vous espérez faire mieux que la saison dernière. Et à combien de points espérez-vous le maintien? Alors ça, à combien de points, je sais pas. Après. Donc, on espère se maintenir la fin de saison. Avoir la 38e journée, si c'est possible. C'est bon, il n'y a plus de questions? Ok, merci.